Je crois qu'il va se pointer à un moment donné. Voilà. Passe à côté de moi, surtout. Voilà, fais ça. Longe bien le mur. Coup de boule balayette. On va te planquer. Et on va se dire... Voilà, on devrait passer un peu plus inaperçu déjà. Non. Cache au pistolet, toi t'es pas fou. Bon. Le suspect est un homme blanc, chauve et d'âge moyen. Oui, c'est bon ça. Voilà, première partie terminée. Bon, aura fallu quand même 15 minutes pour la faire. Bon, là on arrive à un endroit où, comme la partie d'avant, on a plusieurs endroits pour rentrer. Soit on décide de rentrer par l'entrée. Voilà, c'est assez gentil que ça. Ou soit par un endroit que j'ai vu la dernière fois. Ça c'est généralement quand t'as pas de costume ça. Tu peux passer par là. C'est pas mal, c'est ça t'amène derrière la queue. Mais de toute façon on peut passer quand même normal. Enfin je veux dire en déguisement de flic on passe comme on veut. Ah tiens on a une petite preuve ici. Ah puis une carte d'accès en plus. Ouais et on peut demander de plus. Ah puis une arme en plus. Avec silencieux. Oh ça serait trop beau. Oh, avec silencieux en plus. Mais c'est merveilleux, j'aurais dû passer par ici tout de suite. Bah voilà, je sais comment je vais finir la mission. Bon, par contre, faut réussir à passer la queue sans se faire... Tu veux mater, tu dois payer. Voilà. Et surtout, oublie pas, quand tu rentres dans le Vixen Club, cherche tout de suite là-bas. Ouais, bah, toujours là où il y a de l'action. La coiffure, Nefertiti, c'est bof quand même. D'accord. Ouais. Mais voilà là qu'on a tué. Je vais vous montrer le temps qu'il fasse ses allers-retours, etc. Je vais vous montrer par où je peux tuer d'habitude. Je veux tuer d'habitude. Attends. Non, j'ai fini mon service moi. Faut pas question que j'y retourne. D'habitude, ce que je fais, je vais dans les toilettes. Lui je le tue, je le fous dans l'armoire. Et l'autre il vient pisser à un moment donné et je lui mets un coup de corde à linge. Ouais corde à linge, c'est pas mal aussi. Alors on a fait corde à sauter, corde à linge et puis corde à piano. On va mater un peu. Hein. Je peux maîtriser un mec qui a rien à voir avec Bah c'est pas assez normal. Hey, hein, couillon, c'est votre matraque ou vous êtes juste heureux de me voir? Donc en fonction de comment vous le tuez, il y aura plusieurs façons. C'est-à-dire, si on le tue dans les toilettes, il va passer 2 secondes dans le truc et puis ça sera fini quoi. Et il va sortir directement, elle va sortir juste après et tout le monde sera content. J'espère qu'il va pas me spotter. Bien, c'est bon. Il y en a pas, rien à foutre, tant mieux. Et si on vient ici, en fait, c'est un endroit caché. Enfin, c'est pas si caché que ça, vu que je vous le montre. Et comme j'ai trouvé un silencieux, parce que d'habitude, je fais « Ah non, je peux pas le tuer, j'ai pas de silencieux. » Et bah là, j'en ai un. Donc là, il va se regarder dans la glace comme un gros boulet, en fait, on va dire ça comme ça. Puis...
Oh, t'aurais pu laisser le show un peu plus longtemps, bordel. Je t'envoie une nouvelle fille. Ouais, Wade va l'adorer. T'as préparé la chambre à Wade? Bien. Veille à ce qu'il ne manque pas de whisky. Pas la peine de regarder à la dépense. Oh, et mets-y aussi du saumon fumé. Wade adore ça. Et voilà. Je suis désolé mec, t'es un italien mais moi j'aime pas ce bruit. T'es un italien mais voilà, t'es un enfoiré donc cachons l'arme. Salut Jacqueline. Tourne-toi. J'ai dit tourne-toi. C'est pas grave, tu vas crever, cherche pas. J'ai rien contre les blagues, hein, mais tu vas crever, c'est comme ça. C'est le destin. Voilà, allez, tourne-toi. Oh non. Non, tu m'as pas vu. Cherche pas, tu m'as pas vu. Voilà. On a fait une petite connerie, mais c'est pas grave, on s'est bien rattrapé. Donc normalement ici, si on passe bien, on ne va pas se faire caler. Oh là. D'habitude, il n'y a pas des gens ici. Non, il a dit qu'il retournait à Chinatown. C'est bien ce qui m'est arrivé. Bon, allez, assez glandé, au boulot. Vous allez vous barrer, ouais. Voilà, t'as tout compris, c'est bien. Pedro, a sauté ton chihuahua. Arrête tes conneries. Et comment tu pourras... On va passer là où il y a les femmes qui se préparent. Il m'a dit m'occuper de ses amis si je voulais pas finir à Hawaï. Hé, hé, tu dois juste les divertir. Ne laisse pas croire que tu l'auras pas. Et surtout, pense à quelque chose de positif. On est toutes passées par là. Hein, il y a une... Là, ça m'arrive qu'une fois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? D'habitude, il est pas là. Oh, il y a un costume de nonne. Oh, ça, c'est pour après, ça. Quelque chose comme ça. Donc, vaut mieux pas en être membre. Allez. Sois forte. D'accord? Beauté, entre lorsque tu sais faire. Ne dis pas oui à ce qu'il demande. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer. La pauvre petite chérie. Ouais. Oh là, fallait qu'il vienne. Hein. Et merde, fallait qu'elle me voie. Elle. Surtout ferme... Non, non, ferme ta gueule. Oh oh. Cochon de... Vous m'avez oublié. Toi aussi. Ouais, parce que... D'hab... Enfin... Quand on n'est pas en puriste... Il y a vraiment personne pour nous faire chier, quoi. Ah, allons ici. C'était pas un endroit pour les gentilles femmes. Non, non. Non, t'es pas sérieux. Il y avait un escalier juste derrière, quoi. Non, ta gueule. Il y a peut-être... Non, il y a que d'elle. Faites-le, laissons le coffre comme ça ouvert. Ouais, c'est Wade. J'ai envoyé mes gars cueillir le mec qui se fait appeler Birdie. Si
bosser avec le tueur, on va devoir mettre en cache cet oiseau-là. Rappelle-moi quand vous aurez localisé la fille. Oh, le jeu de mots. Il y a une tonne de fric à se faire. Birdie, on va leur mettre en cache cet oiseau-là. Allez, salut. Tu avais raison. Dom était à la recherche de Victoria. Je l'ai eu juste à temps. Toujours aussi efficace. Bravo. Il en avait aussi après toi. Un homme est en route. Il s'appelle Wade. Oh non, mec. Ce type, c'est un putain de cinglé. Il va falloir que tu rappliques vite fait ici, parce que je sens que ça va être un gros merdier. Je te rappelle, putain. Gigantesque merdier. Bon, ben, on attaque la dernière partie. C'est-à-dire encore des keufs à tuer. Ce jeu-là, c'est bien si tu veux te défouler sur la police, quoi. Donc je sais plus trop où passer. En plus, je sens qu'il va y avoir encore plus de niveaux dessus. Bref, la grosse merde. Oulolololo. Oh là, c'est mort. Couteau. Ouais. Non, Barton. Oh, non. Le mec, il y a un putain de fusil à pompe. Je suis bloqué dans la cabane du tueur. Oh, on va passer pas par là, mon dieu. Bon, l'autre, il a bougé. Donc il cherche le cadavre. Et le cadavre, ça tombe bien parce que... il est là. Pauvre cadavre. Caché. Oh. La barre Toto. Ouais, c'est aussi un beau dépotoir quand même. Bidon d'essence, là, je préfère le couteau. Quitte à faire une diversion ou d'en faire une diversion qui fait mal. Non, ta gueule. Ok, Nag. Oh non, ils sont deux, mais c'est quoi cette... En mode MacGyver là. Ok. Faut pas me faire chier moi. Ok. Ah, mais je suis en flic. Central, celui-là est mort. Alerte de niveau 3. T'aurais dû fermer ta gueule toi. T'as la chance, je peux pas te tuer. Est-ce que ça va le bel mec qui.